Salut à tous, donc on se retrouve sur une petite vidéo sur Menindirt. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super top bien. Donc c'est la deuxième épisode parce qu'on avait fait un premier épisode avec iBoss 151, Cancan 103 pour l'annonce de cette série. Mais maintenant on se retrouve sur le premier épisode, donc on va rentrer à la maison avec un peu de bois. Parce que comme il avait dit, le plus dur c'est de, de miner le bois parce que c'est vraiment le plus dur. Parce que c'est long et qu'on n'a pas de générateur. Mais pour moi, il y a aussi la cobble qui est dure parce que j'ai pas encore de générateur. Il n'y a que le sable pour moi qui est en ligne. Bon, j'allais un peu me servir, mais et voilà, quoi, c'était pour les débuts, mais après je vais aller miner. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à miner. J'ai mis pas mal de cobble déjà dans mes coffres. Donc là, on va aller poser un peu de bois chez Cancan parce que. Parce que voilà, j'ai envie d'en poser un peu parce que j'en avais déjà posé un peu et. Voilà, donc à chaque fois que je vais miner, j'y en donne un peu. Voilà. Faut être sympa avec ses membres, surtout qui m'hébergent. Donc voilà. On va aller vider ça et ensuite on va commencer notre maison, la maison principale. La mienne. Donc dans l'autre épisode, on avait fait. La maison des coffres, donc la maison de base. Et maintenant, là, on va attaquer ma maison, une belle maison. De toute beauté, comme je dirais. Donc on va y mettre, on va monter jusqu'à 64, voilà. J'ai mis un stack de bois, comme ça il sera content. Hop là. Et je vais aller partir faire notre maison, donc le pattern de notre maison. Hop là, et voilà. Donc j'espère que cette série vous plaît, moi je pense que c'est le début d'une très bonne série et longue série, parce que bon... On va pas s'arrêter tout de suite. Et voilà. Donc après on fera peut-être plus des épisodes, des épisodes séries suivis une fois que j'aurai toutes mes grandes, une grande maison, etc. etc. J'arrêterai de faire une suivi comme ça. Et je ferai plus des épisodes pour expliquer les nouveaux trucs, les nouveautés du serveur, etc. Enfin voilà. Vous verrez au fil du temps comment ça se passera. Donc là on va aller faire, donc je vais aller prendre un peu de cobble. Oui, je viens de poser le bois, je sais, tout le monde l'a vu, je viens de poser le bois, mais en fait c'est parce que je me suis posé la question, comment j'allais le faire. Voilà, je ne suis pas devenu fou, je le sais. C'est ça, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, j'ai un petit peu de cobble, enfin un petit peu beaucoup, mais je vais aller en miner un peu plus plus tard. Voilà, on va commencer le pattern, on va tout poser là. Donc du coup comme ça produit plus de planches, ça fait plus de planches que de bois, du coup c'est cool quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je fais comme ça, parce que, pour avoir plus de bois. On va peut-être en faire un peu dans les angles, ouais on va mettre dans les angles. Voilà, hop là. On va garder ça, on va essayer de ramasser. Je vais pas ramasser, si ça. Hop là. Donc c'est pas très bien torché, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je vois bien, mais sur YouTube ça assombrit tout haut. Donc on verra. Donc je vais faire ma maison quelque part par là-bas, on va aller voir un peu. Donc je suis désolé, c'est la nuit, mais parce que le jour en fait je vais chercher du bois pour essayer de pas me faire tuer par les mobs, donc c'est pour ça que je fais ça la nuit. Donc mon pattern, je vais le faire... J'étais là. Non, pas là, ça me plaît pas. Là, c'est bien. Donc on va faire avec ça, comme ça. Donc on va faire les angles, hop là. Ensuite, comme ça. Donc ici ce sera juste les poteaux, comme la Colanta, n'importe quoi. Mais voilà, ce sera les poteaux sur lesquels ma maison portera. Donc j'ai décidé de prendre du bois pour rester dans le même ton que Cancan, parce que je me suis dit si j'allais attaquer à faire de la maison en cobble, etc., ça allait pas le faire. Donc c'est pour ça. Donc je vais mettre un peu de cobble, mais ce ne sera pas la ressource principale de la maison. Ce sera juste pour boucher un peu les trous, on peut dire. Donc on va attaquer à faire le trou. Donc c'est une petite maison hein, quand même, elle n'est pas énorme, même voire petite je dirais. Mais voilà, ça me plaît déjà quand même pas mal. Donc voilà, j'ai encore mes problèmes d'échafaudage. Donc j'ai pas pensé à aller ramener de la terre. Donc on fait une ellipse et on se retrouve dès que j'ai la terre. A tout de suite. Et donc on se reprend. Donc c'est une maison petite, hein, de toute petite taille. Tout simplement, donc on va faire des extensions par la suite, on fera des extensions, tout ça, sur les côtés avec des balcons. C'est pourquoi je me suis fait
tu le fais taper. Attention. Je vais lui régler son problème à lui. Hop là, je vais lui régler son problème, celui-là, là. Donc, foiré. Hop là. C'est intéressant les vidéos. Hein. Je m'amuse à faire du PVP en vidéo. Wow, super. Bon, alors, après cette... Non, devant cette maison toute sombre et sinistre, nous allons faire des extensions et l'éclairer, l'allumer, tout ça. On fera plein de tas de trucs comme ça, pour que ça devienne plus joli. Et pour le moment, on va faire une terrasse devant. Une terrasse, on va voir comment qu'on la fasse, les terrasses. Mais on va s'arranger pour que ça fasse joli. Non, il n'y en a pas un autre là, sinon parce que là je craque, j'en ai marre. Mais je crois que je pense à éclairer la zone pour qu'il y aura moins de mobs. Qu'il y ait moins de mobs. Donc notre terrasse sera là. Donc on va faire un petit truc comme ceci. Et on va écrire, je sais pas, j'ai bien envie d'écrire un petit truc. J'avais pensé à une boss. Oh non, mais non, pas une araignée c'est super dur. Oh, bon allez, on se retrouve quand j'ai respawné. Et donc on se retrouve après cette petite ellipse. Où je vais aller chercher ma petite paye. Et voilà, on se retrouve. Là. Tac, tac. Donc voilà, la maison sera à cette hauteur. Oh là, pourquoi je bouge tout seul là? Vous avez vu? Je bouge tout seul. Ouah, j'étais immaîtrisable. Ouah, hop, un truc qui me pète derrière. Ah, d'accord. Il se bleu, je dirais même. Hop là, tac. Donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je vous propose de se retrouver au prochain étage car ça va pas être très intéressant jusqu'au prochain étage. Ensuite on fera de la déco, on cassera des cubes, on en mettra d'autres. Voilà, je pense que ça pourrait être, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Hop là. Tac tac tac, hop là. Ouais, on va faire le plancher avec vous quand même. Voilà, donc on est sur le serveur de Minildir, comme d'habitude. Voilà, donc c'est un serveur exclusivement pour les youtubeurs. On l'a déjà dit dans la vidéo précédente, mais il est important de le dire. Voilà, donc interdit de se giver, comme ça, comme ça. Voilà, donc de ne pas appliquer à lire les règles parce que je les avais déjà dit. Mais voilà, c'était les points importants. Enfin, donc on va se faire. On va mettre un truc debout, hop là. Et voilà, donc on va faire un étage comme ceci. Non, c'est plus de quoi. Hop là, tac tac tac. Et voilà notre plancher. Donc notre plancher, voilà, c'est une petite maison, réellement petite. Mais voilà, je pense que ça peut faire cool. Et donc voilà. Allez, je vous dirai à plus et on se retrouve au prochain étage quand j'ai fini. Enfin, quand j'ai fini le premier, tout de suite. Et donc on se reprend maintenant qu'on est le jour pour cette jolie terrasse. Donc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'écrire un petit Y. Donc, je vais voir comment je vais pouvoir faire ce petit Y. Là. Et donc, on passe comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça va quand même. C'est... Moi ça pète. Donc on va voir. Donc on va continuer nos petits travaux. Hop là. Donc notre terrasse. Hop là. Hop là. Et donc on va les mettre, je sais pas encore, on va les mettre encore. Je pense en cobble, on va les mettre ou quelque chose comme ceci. Voilà, donc on fera une extension sur le côté ensuite par la suite. Une grande extension vers là-bas. Pour que ça, c'est un peu plus, ça ressemble un peu mieux à quelque chose, toute maison, tout rikiki, voilà. Donc on va mettre une petite fontaine devant, enfin ouais, on va essayer de faire quelque chose de joli. Ce serait mieux quand même que ce soit un peu plus joli que quelque chose de basique que tout le monde fera. Et donc on se reprend en pause. Comme la dernière fois, attendez, on va se relever. Hop là. Donc on se retrouve en pause pour la coupe 2 de l'épisode. Donc on va le couper en deux pour, parce que voilà, pour le clonage. Donc je vais vous laisser et on se retrouve pour la prochaine vidéo.